choses pas grosses. Un certain moment, les deux années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, dans un tiny wearables, comme on le dit. Et après, on peut les imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux, dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe dans notre cerveau. Et dans le monde digital, ce que nous voulons, c'est une sorte de fusion du monde physique. Être connecté à...